Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les sectes et le New Age. Bon. C'est un témoignage personnel. Je ne sais plus si je ne l'avais déjà fait sur ma chaîne. Je sais que je l'avais écrit, que je l'avais publié. Bon, le problème, c'est pas de parler de moi, évidemment. C'est de parler de ce phénomène qui existe depuis très longtemps. Hein. Bon, il a des hauts et des bas. Bon. Pour ma part, j'ai rencontré le New Age dans les années 80, précisément à l'âge de 22 ans. Et quand je vois des vidéos, par exemple de Pierre Blanchette et autres, qui critiquent les New Age, il a raison, hein, parce que c'est terrible comme le phénomène, et je l'invite à écouter mon témoignage aussi. Pourquoi je le fais? Pas pour confirmer ce qu'il a déjà dit, mais parce que il est difficile pour ceux qui ne sont pas passés dans cette mentalité de comprendre ce qui fait que quand on est en dehors de quelque chose de sectaire ou d'une erreur, d'une hérésie, tout comme quand on est en dehors de Vatican II parce qu'on a compris que c'était une secte, eh bien, quand on est en dehors, on a du mal à comprendre pourquoi les gens sont dans ce phénomène-là. Et quand les gens qui sont en dedans, entre guillemets, ou même réellement, quoi. Eh bien, ils auront du mal à comprendre ceux qui sont en dehors. C'est comme une bulle. Et pour mieux en parler, pour en parler de l'intérieur, celui qui peut y être passé peut permettre à ceux qui dénoncent ces sectes de confirmer leur dire, c'est entendu, mais aussi, comme ça permet aussi de moins les juger, de prier davantage pour ces personnes. Vous vous doutez bien que moi, étant passé par là, j'ai plus de compassion pour ces personnes, pas pour me donner des excuses dans mon cheminement, mais parce que je comprends mieux pourquoi et comment elles s'en sortent ou elles y restent. Voilà donc mon témoignage par rapport, grosso modo, à ce que j'ai pu vivre. Hein. Évidemment, je vais résumer énormément parce que vous ne pouvez pas résumer, vous ne pouvez pas raconter quelque chose que vous avez vécu pendant des années en une heure. Hein. Je vais essayer d'être succinct et de vous intéresser à la chose parce que ça sera quelque chose vécu de l'intérieur et de permettre à tous de mieux comprendre pourquoi on rentre dans ces sectes et dans quel piège perfide on peut s'entremêler, sachant ensuite, vous vous en doutez, que c'est très difficile de s'en défaire pleinement et totalement. Déjà, quand on n'est pas dans des sectes, quand on est dans ce qu'on appelle le monde, on est déjà imprégné totalement, sans le savoir, de gnose, même de New Age, les expressions même populaires, tout comme il y avait les expressions latines, les expressions chrétiennes qui sont encore dans nos langages, même s'il y a on les comprend plus forcément, eh bien, on est de plus en plus imprégné aussi de proverbes New Age, ou de proverbes relativistes maçonniques, et on ne se rend pas compte. Donc là, je vais essayer de davantage éclairer certains aspects, afin que nous prions davantage pour nos amis ou les personnes en recherche qui sont tombées là-dedans et que nous ne les jugions pas. Le problème, c'est pas de nous juger, Dieu nous l'a dit, nous ne devons pas juger, mais de prier pour les pécheurs ou de prier pour les personnes égarées, comme nous-mêmes nous avons pu être égarés, ou dans des choses graves comme ça, ou tout simplement comme nous sommes égarés chaque jour, quelquefois, si nous n'y prenons garde dans certains péchés. Donc, c'est évidemment par extension, nous ne devons pas nous juger aussi nos frères et sœurs en Christ, bien entendu. Donc, c'est mon témoignage, grosso modo, personnel. Première réflexion, c'est à la fois un cliché et une réalité. Donc, pour vous dire, donc, chercher une famille, c'est que le cliché des psychologues actuels, c'est de dire, tout comme pour les complotistes, tout comme même pour tout ce qui peut paraître bizarre, ah, ben ces gens, ce sont des défavorisés, c'est des gens de la rue, c'est des gens peu cultivés, ce sont des gens en perdition, ce sont des gens en souffrance. Alors là où ils ont pas. C'est un cliché, évidemment, pour reléguer ça comme quoi eux, ils y tomberaient surtout pas, n'est-ce pas? Mais en fait, là où ils n'ont pas tort, c'est que ce sont des gens en souffrance qui rentrent dans les sectes, ou qui rentrent dans n'importe quoi pour se sécuriser. Parce que le côté sectaire, par extension, vous pouvez être sectaire et rentrer dans l'Église catholique, hein, pardonnez-moi. Là, c'est pas une secte en elle-même,
mais nous, nous pouvons devenir sectaires, chercher une place, nous sécuriser et devenir fanatiques. C'est ça aussi être sectaire. Hein. Bon, c'est... D'abord, chercher une famille. Alors, bon, donc, phénomène qu'on peut retrouver dans les sectes ou qu'on peut même retrouver chez certains chrétiens qui cherchent une famille, c'est-à-dire qui cherchent à s'installer dans l'Église, non pas par amour de la vérité, mais pour être sécurisé. Ça, c'est un fait. Bon, moi, évidemment, je suis dans une famille qui m'a baptisé, mais qui était quasiment athée, pour pas dire athée même. On m'a jamais parlé de Dieu. Et Dieu se sert de tout, comme dit André Leveil, l'insolente liberté de Dieu, la magnifique liberté de Dieu. Je ne sais plus le terme qu'il employait dans son témoignage, André Leveil, cet homme qui était un gangster. Bon. Quand vous êtes dans le New Age, vous êtes autant en danger que quand vous êtes un gangster. Je parle au point de vue péché, au point de vue loin de Dieu. Bon. C'est plus pernicieux, c'est plus subtil dans le New Age, mais c'est toujours là. Donc je cherchais, n'ayant pas une famille unie, bon ça je ne l'ai pas dit mais je le dis là, bon d'abord une famille athée, ou même si ma pauvre maman, sur la fin de sa vie, a trouvé la foi, bon, parce qu'elle était malade, bon. Mais je n'ai eu aucune éducation, j'étais vierge, entre guillemets, de toute croyance. Et en temps complètement ignare. Donc effectivement, quand vous êtes un ignare, vous vous laissez plus influencer par tout et tout n'importe quoi, même si vous êtes un intellectuel, parce que pour ma part, je lisais déjà beaucoup. Donc c'est une raison, ça peut vous sauver comme ça peut vous perdre, hein, les lectures quand elles ne sont pas dirigées, quand vous n'êtes pas aidé pour lire n'importe quoi, prendre des nourritures indigestes. Bon. Et donc, d'abord je suis parti de chez moi, parce que ça allait très mal, et puis j'ai été à l'armée. En cherchant une nouvelle famille, comme dirait Renaud. Mais c'était pas, pour moi, c'était pas la bonne famille. Je suis parti d'un père autoritaire à l'armée qui a une certaine autorité, qui n'a pas toujours beaucoup de pédagogie. Donc, qui ne veut pas dire que c'est mauvais en soi pour tel et tel, mais pour moi, à 17 ans, j'étais trop jeune. Donc, j'ai cru partir d'une famille vers une autre famille. Et puis, en fait, je suis tombé, comme on dit, de Caraïbes en Scylla, c'est-à-dire que je suis tombé d'une famille où je ne me plaisais pas dans une autre famille, où ça n'allait pas du tout, parce que je n'étais pas mûr de toute façon pour l'armée. À 18 ans, j'en suis sorti, j'ai fait mes 1 an, à l'époque, l'armée était obligatoire. C'était en 78, 77, 78, vous voyez, c'est pas d'hier. Et donc là, j'étais vierge de tout. Bon, j'avais eu des expériences mystiques. Je vous raconterai peut-être une autre fois, peut-être pas, mais bon. Donc j'avais une ouverture spirituelle. Seulement quand vous avez des expériences mystiques et que vous n'avez pas de connaissances, que vous êtes un ignare, entre guillemets, bien, vous cherchez à droite, à gauche. Donc je cherchais un peu dans l'ésotérisme, dans le fantastique, dans ces choses-là. Mais j'étais en recherche déjà, sans trop savoir où aller. Bon, j'ai cherché dans la politique. J'avais quand même une vénération pour la Sainte Vierge, vous voyez, sans la connaître vraiment. J'avais aucune... Bon. Et j'avais une croyance en Dieu, instinctive, intuitive. Bon. Ce qui fait que quand je suis tombé chez des marxistes, machin chose, qui vous disaient que le bonheur, c'était... Vous avez 18 ans, vous êtes naïf, vous dites, ah bah, peut-être que c'est vrai, puisque vous voyez le monde tel qu'il est, en 78, il n'était pas meilleur que maintenant, maintenant c'est pire pour différentes raisons, mais bon, c'était tout de même déjà un monde très matérialiste, bon. Et puis c'est le monde tel qu'il a toujours existé, avec ses travers, donc on veut changer les choses à 18 ans. Hein. Contrairement à ce que des gens pensent, les boomers, il y a eu des boomers qui ont toujours voulu changer les choses, il n'y a pas eu que des abrutis qui voulaient consommer. Hein. Vous avez toujours, dans toutes les générations, des gens qui cherchent et des gens qui se font avoir. Maintenant, c'est vrai que le mouvement boomer dans les années 70-80, bon, ben, évidemment, ils ont consommé, mais bon, c'était l'après-guerre, on ne peut pas juger non plus, c'est pas si simple, même s'ils ont une grosse responsabilité. Mais pour ma part, j'étais pas du tout satisfait de ce monde. Donc j'ai cherché en philosophie, en politique, etc., puis j'ai un peu baissé les bras. Et puis un jour, je suis tombé sur des gens qui m'ont parlé d'un mouvement spirituel, blablabla. Je ne vous dirai pas le nom parce que ça n'a pas d'importance. Mais ça ressemble un peu à ce que... Au truc, là, vous savez, de Pierre Blanchette, quand il parle, je ne sais plus comment il s'appelle, là, l'Anqueto, des choses comme ça, nous sommes des dieux, disait-il. Bon. Alors, ce n'était pas aussi grossier que ça, parce que ça paraît grossier quand on les entend comme ça, mais quand vous rentrez dans leur truc, avec leur texte, etc., c'est plus subtil, c'est plus fin quand même. Après, ils sont obligés de résumer, là, où vous sortez des trucs gros comme une maison, qui paraissent complètement stupides. C'est effectivement stupide, mais quand vous êtes imprégné, vous vous rendez plus compte. Enfin bon. Je vais essayer de développer un peu. Donc, chercher une famille, c'est à la fois un cliché et c'est à la fois une réalité. Effectivement, beaucoup de gens, consciemment ou inconsciemment, cherchent une famille. Mais contrairement à ce qu'on croit, et j'y viens, ce sont les plus instruits qui remplissent en majorité les sectes. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les paumés comme moi. Il y en a.
À ce niveau-là, les sociologues n'ont pas complètement tort, effectivement. Mais vous avez aussi beaucoup de gens, la majorité, qui sont très instruits. Et là, le piège est différent. Ils peuvent chercher une famille, et souvent ils cherchent une famille, parce qu'il y a souvent, il y a malheureusement, un vide spirituel, alors on cherche à le combler. En se mariant, c'est un fait, et là on peut trouver le bonheur, ou du moins on peut trouver une transcendance, mais aussi, il y a des fois socialement, les gens, ils vous le diront jamais, mais même les gens qui sont très instruits, les gens à l'ENA et tout ça, ils ont un vide, ils vous le diront pas. Ils se l'avouent pas eux-mêmes, mais ils cherchent quelquefois une famille. Et ce sont les plus instruits, moi, dans la secte où j'allais, hein, ça aurait pu être le mandarin, mais c'est un truc de ce type-là. Eh bien, les trois quarts des gens, c'est des docteurs, ce sont des avocats, ce sont des scientifiques, ce sont des écrivains. Là, il y a un cliché qui saute. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et là, ils se font avoir par le savoir. L'orgueil, c'est toujours l'orgueil, hein, de toute manière. Et il y a, dans ces sectes, en général, un savoir, une synthèse, un syncrétisme extraordinaire. La gnose. Nous savons que c'est une hérésie complète, mais quand on vous la présente sous plein d'aspects quasi scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de choses vraies dans la gnose, ce qui est pernicieux et diabolique, c'est que ces choses vraies ne vous apportent pas la plénitude et que ces choses vraies vous amènent ailleurs que là où vous voudriez aller. D'abord, elles vous font croire que vous pouvez vous-même trouver Dieu, aller à Dieu, ce qui est un orgueil stupide. On a un effort à faire, évidemment, même en tant que chrétien, mais s'il n'y a pas la grâce, au bout d'un certain niveau, on n'arrive pas. Hein. Vous savez, les vertus, on les reçoit. On ne va pas les chercher, tel Prométhée, allant chercher le feu du ciel, ou Sisyphe montant sur la colline, et bon. Hein, tous ces mythes-là qui ont l'air stupides, en fin de compte, à ce niveau-là, ils ont une certaine profondeur, parce que vous avez vu Icare qui monte vers le soleil, qui tombe, et ses ailes fondent, etc. Bon. Il y a des choses à comprendre, même si ça a été repris, ou même si c'est plus ou moins gnostique, tous ces symboles ont une certaine profondeur, effectivement, et on le vérifie donc dans les sectes actuelles, où ils vous disent que, de toute façon, l'Église s'est dépassée, c'était l'ère du poisson, il vous parle de précession des équinoxes, il vous parle, etc., etc. Et il vous dit, montre scientifiquement que nous rentrons dans l'heure du Verseau, et puis que c'est vibratoire, et que ceci, que cela. Et souvent, dans les sectes, et que ce soit la cosmogonie des Rose-Croix, de Max Endel, il y a des trucs très très scientifiques, très très intéressants. Il y a une bonne partie de vérité. Et il y a le poison qui mange au milieu, mais qui lui est fin, qui arrive subtilement. Là est le problème. Et quand vous êtes pleinement dedans, vous ne voyez plus clair. Sauf celui qui cherche vraiment la vérité, qui se met à genoux et qui cherche toujours. Mais la plupart des personnes qui vont dans les sectes, encore plus qu'ailleurs, cherchent souvent un pouvoir, d'autant plus qu'on vous le fait miroiter. On vous dit, on va vous présenter les sciences occultes, ces fameuses sciences maudites par l'Église parce qu'ils étaient jaloux, blabla, enfin l'Église a toujours tort, vous vous en doutez. Et puis, ils vous présentent des choses réelles, de la magie, les sciences, la cabale, les machins, et puis ils vous présentent ça sous une forme très bénéfique au premier abord. C'est scientifique, il y a des trucs, il y a vraiment des correspondances, la magie, les correspondances qu'il y a entre les plantes, les minéraux, etc., etc. Tout ça n'est pas faux. Ce qui est faux, c'est que c'est simplement interdit. Ça, là, je veux aussi rétablir un cliché là-dessus, parce que beaucoup de chrétiens se moquent de ces gens-là en pensant que ce sont des abrutis. Genre les petits sauvages, les sauvages en Amazonie avec leurs chamans qui sont simplement superstitieux, que c'est juste culturel, qu'ils sont dans des illusions, que le chaman connaît que des plantes et puis que le reste c'est du baratin, ou alors à la limite c'est que pour eux. C'est pas clair en fait dans la tête de beaucoup, mais c'est une réalité. La magie existe réellement, mais elle est interdite. Il faut comprendre pourquoi. Hein, tous ceux qui lisent le Deutéronome 18-10, etc., dans les passages où le magicien est passible de la peine de mort. S'il est passible de la peine de mort, c'est que la magie avait une réalité, parce que sinon, si ça avait été que de la rigolade, bon, ça aurait pu influencer effectivement malicieusement les gens, mais sans aller trop loin. Non, la magie, d'autant plus en antiquité, était beaucoup plus structurée d'ailleurs à l'époque. Et tous les ceux qui ont étudié la magie le savent, sont censés le savoir du moins. Et donc la magie est une réalité, mais elle est interdite. La magie, vous trichez. C'est un peu comme si vous faisiez un hold-up dans une banque. Eh bien, vous voulez, au lieu de travailler pour avoir l'argent, vous prenez un raccourci. La magie, c'est la même chose, c'est pour vous donner une image.
Après, qu'elle soit blanche, noire, rouge, machin. Alors, ils vont croire qu'il y a la magie noire qu'ils ne vont pas faire et qu'on peut faire la magie blanche. C'est pour ça qu'il y a des mages chez eux, qu'on appelle. Et là, c'est le piège est très subtil. Deuxième pré-piège, je ne sais plus si c'est. Ah, c'est ce que j'ai déjà dit. Deuxième piège. Ah, ça y est, j'ai perdu le film. Vous voyez, faut pas. Parce que moi, j'improvise. Vous voyez, je vous mets des pensées bêtes là, et puis ensuite, je travaille par souvenir et par inspiration. Donc, c'est où, je vais quand même, donc, je vais revenir. Je dirais le deuxième piège, je vais reviendra. Sans doute. Il y en aura d'autres. En parlant, ça revient. Ce sont aussi donc les moins instruits dans le catholicisme. Oui, voilà. Ça, c'est un autre piège aussi. C'est que la plupart des gens connaissent mieux la magie. Entre guillemets, même s'ils la connaissent mal, et rassurez-vous, la magie, c'est pas plus facile que d'autres choses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'y essaient et qui n'y arrivent pas, grâce à Dieu. Alors, il y a une certaine magie noire inconsciente, certes. Quelqu'un qui cultive des mauvaises pensées, qui est pris sous le démon, on peut considérer que c'est une magie noire qui passe à travers lui, c'est entendu. Mais il ne fait pas sciemment des rituels, etc., etc., si vous voulez. Ça, heureusement que non, parce que c'est pas si facile, hein. C'est pas donné à tout le monde d'être un magicien. Et heureusement. Le peu que les gens font en moitié, ça fait déjà du mal. Donc ce sont aussi ces gens-là qui sont les moins instruits dans leur propre religion, parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus du catholicisme, ou du moins de la religion chrétienne, sur tous ces aspects, et qui, il y a des voix, craquent, entre guillemets, se font tenter par des connaissances, ou par un mélange, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les boutiques ésotériques, ils reprennent des neuvaines, et puis ils en font quelque chose de magique. Quelle différence y a-t-il grosso modo entre la magie et la prière, et le christianisme, et le chrétien, si vous voulez? C'est que la magie, vous forcez les choses, vous trichez, vous invoquez, vous donnez des ordres, vous forcez les plans de Dieu. En d'autres mots, par exemple, dans l'adage malheureux en amour, heureux au jeu, par exemple, eh bien, il vous manque une qualité, vous avez toujours la poisse dans le jeu, en fait, c'est une épreuve que Dieu vous donne, hein, par exemple, hein, et vous voulez ne plus l'avoir, et eh bien vous cherchez un magicien pour vous enlever cette épreuve. C'est pas conscient chez vous. Seulement ce que vous oubliez, c'est que les entités qui vous ont aidé à ça, et attends, même si vous ne savez pas qu'il y a des entités, blablabla, hein, je ne vais pas m'étendre, elles vont demander quelque chose en échange. C'est pour ça que si vous êtes heureux au jeu, parce que vous avez demandé, vous avez fait faire une opération magique à ce sujet, et eh bien l'entité va vous prendre autre chose ailleurs, par exemple en amour. C'est d'où l'adage. Bon, bref. Alors, beaucoup de gens ont un demi-savoir en magie, en ésotérisme. Je dis bien demi, parce que s'ils savaient vraiment, ils le quitteraient aussitôt. Mais ils ont surtout un côté ignare de leur propre religion. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comparer. Et c'est pour ça qu'ils se font avoir. Alors, moi, j'avais des excuses, je ne connaissais rien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont moins d'excuses, hein, c'est pas pour me vanter. C'est qu'il y a des gens, ils sont simplement. Bon, ou ils sont ignares, parce que c'est vrai que les gens savent, connaissent de moins en moins leur religion, et vous avez même parlé, surtout aux chrétiens de Vatican II, parce que moi, quand on voit le catéchisme, je vous assure que il n'y a pas grand-chose qu'on apprend. Donc on est de plus en plus ignorant de sa propre religion, et étant de plus en plus ignorant de sa propre religion, eh bien, on se laisse attirer par d'autres choses. Ou il y a un mélange, et mélange veut dire impureté. Alors voilà ce que je voulais redire tout à l'heure que j'avais oublié. Par exemple, eh bien, ils récupèrent des neuvaines, et puis ils en font quelque chose de magique. C'est plus une demande. C'est faites une neuvaine et puis tournez cette fois autour de l'église avec la prière de Saint-Jude et vous aurez ce que vous voulez. En gros, hein, je vous dis un truc parmi d'autres. Et les boutiques ésotériques ont récupéré beaucoup de choses du christianisme ou d'ailleurs, hein, parce que dans les sectes, vous avez souvent un syncrétisme. Ils vous prennent des choses un peu partout. Et puis ensuite ils vous disent que c'est garanti. Il y a des gens, même moi quand j'étais dans la secte, il y a une personne qui m'a dit: oui, mais moi je veux bien y aller à condition que mon grand-père y guérisse. Oui, cette mentalité un peu d'acheter le bon Dieu, ou d'acheter un Dieu, un demi-dieu, ce que vous voulez, bon bref. Ce sont donc les moins instruits dans le catholicisme qui se font le plus facilement avoir dans les sectes. Ou qui se font tout simplement plus savoir pour être devenir apostasié, quoi, tout simplement. Parce qu'on se laisse à ce moment-là, on n'a plus les critères et on se laisse aspirer par le monde, par le démon, par la chair.
les trois concupiscences. Et il y a donc cette fameuse imprégnation moderniste, notamment depuis le début du XXe siècle, qui a touché évidemment l'Église, hein, Saint Pie X en pleurait, parce qu'il voyait déjà venir ce qui s'est passé 60 ans plus tard avec Vatican II. Bon. Une impression moderniste indirecte, même si Teilhard de Chardin, etc., ça remet déjà quand même pas mal en question, puis aussi une impression moderniste liée à l'ésotérisme, parce qu'il y a un ésotérisme chrétien, soi-disant. Alors que Jésus a dit que tout était pour tous, il n'y avait pas de secret, alors que l'ésotérisme, c'est caché, par définition. Tout comme les sciences occultes, c'est-à-dire caché. Alors si c'est caché, tout de suite, ça doit nous faire titre, et on doit se dire danger. Le Seigneur n'a rien caché. Même s'il y a des fois, il parlait en parabole et qu'on comprenait qu'à un niveau, etc., etc. Le Seigneur n'a jamais, contrairement à ce que pensent les gens de New Age, avec les églises de Saint-Jean, et toutes les trucs de Templiers, avec tous ces mouvements qui vous font croire qu'il y a la fameuse église de Saint-Jean pour les plus intelligents, les plus initiés, les plus ceci, les plus cela. Et puis il y a l'église de Saint-Pierre pour les péquenauds. Vous voyez, je caricature, hein. Vous avez dû en entendre plus ou moins parler. Eh bien, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, on vous mélange de la gnose, on vous mélange des trucs ésotériques, machin, des neuvaines, des prières, ceci. On vous met de l'abbé Julio, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais l'abbé Julio était un bon prêtre, et puis il s'est opposé à Rome parce qu'il voulait guérir à tout prix, parce que ceci, parce que cela. On ne guérit pas à tout prix. On guérit selon la volonté de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que Dieu est méchant. Il y a des fois, Dieu veut qu'on ait cette épreuve un certain temps, la maladie ou autre chose, pour que nous nous purifions, pour que nous nous rendions compte, pour des tas de raisons que nous pouvons connaître. Et l'abbé Julio, qui est devenu Gallican, hein, l'église Gallicane autocéphale, une église parallèle, si vous voulez, mais coupée de Rome, hein, donc schismatique, eh bien, il a voulu guérir à tout prix. C'est-à-dire que ces prières sont devenues des conjurations, des ordres, c'est devenu magique. D'ailleurs, dans ces livres, il y a des sortes de pentacles. Donc, il y avait des images, vous voyez, qui ont un pouvoir occulte. Donc là, c'est déjà, ça n'est pas à faire. Qu'on puisse faire des miracles par la foi, par la grâce à Dieu, que la montagne se bouge, etc. Ben c'est Dieu qui le fait à travers nous. C'est pas nous qui activons une amulette, un talisman, un pentacle, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Là, c'est une singerie du démon. Moi aussi, à un moment donné, je voulais être guérisseur, j'ai failli être piégé par la bijou et par les prières merveilleuses de Dom Magingeuse. Vous avez dû voir les livres, hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ils vous disent que l'Église est dépassée. Une sorte d'évolutionnisme marxiste-linéaire, un peu d'ailleurs comme beaucoup de théologiens actuels, hein, qui pensent qu'avant, c'était pas bien, ça sera toujours mieux. Alors que non. Il y a les dogmes qui sont indépassables, qui en sont toujours là. Après, il y a une pédagogie qui peut changer un peu, ce qu'on appelle dans la pastorale, tel que le dit Arnaud Dumouche, mais il n'y a pas. Ça n'a rien à voir avec. Ah, ben avant, au Moyen-Âge, c'est complètement dépassé, maintenant, on est plus intelligent. Ça, c'est être influencé par le marxisme, du passé faisons table rase, ou être influencé par le modernisme. Arnaud, contrairement à ce qu'il le croit, est complètement imprégné de modernisme. Mais comme c'est subtil et c'est plus fin que. Eh bien, il ne veut pas l'admettre. Et donc là, il vous parle de la tradition primordiale, les gnostiques, là, je parlais, ou dans les sectes. Avec le fameux serpent qui se mord la queue, que vous voyez au-dessus du temple de Delphes, qu'on nettoie toi-même, repris par Socrate, ou inspiré par Socrate et repris ensuite par les oracles de Delphes, qu'importe. Ou alors le fameux 8 qui veut dire l'infini, mais c'est toujours le serpent. Alors on devrait se dire, le serpent, hein, le serpent, c'est quand même le serpent de la Genèse aussi. Hein. Ah non, eux, ils vous disent que non. Hein. C'est le serpent de la connaissance, soi-disant, connaissance du bien et du mal. Donc vous vous doutez que là, il faut faire tilt et il faut faire marche arrière. Mais quand vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas la catéchèse et tout ça, ben, au départ, ça paraît juste être quelque chose de philosophique, de machin, de. Vous voyez? Connais-toi toi-même, ça paraît extraordinaire. Ah ben ouais, il faut se connaître soi-même, vous voyez? Et si on n'a pas, si on n'a pas de connaissances ailleurs. Et donc voilà où j'en reviens, où là Pierre, vous allez peut-être rire, Pierre Blanchette. Donc la fameuse Tankoro, je sais pas quoi, là, tous ceux qui se disent nous sommes des dieux.
C'est la liberté jusqu'à son extrême luciférienne. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est une sorte d'anarchisme spirituel, un peu comme Krishnamurti. Vous voyez? Donc, nous sommes des dieux. Ben, pas qu'il y aurait écrit que nous sommes des dieux, alors qu'il faut comprendre le contexte de la phrase dans la Genèse qui dit cela. Ben, ils ont pris ça, ils l'ont séparé, un peu comme les témoins de Jéhovah, et ils vous disent, il suffit de vouloir, la loi de l'attraction, machin, du développement personnel, vous faites un gros mélange, vous agitez. Et puis, nous sommes des dieux, et Dieu nous veut heureux, même ici-bas. Alors que non. Dans toute la catéchèse catholique, on vous dit que la terre, quand la Sainte Vierge dit, aujourd'hui d'ailleurs c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, alors pour honorer Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette, j'en profite donc pour, oui, vous dire, la Sainte Vierge disait à Bernadette, et à travers Bernadette, le dit à tout le monde en fait, je ne vous promets pas que vous serez heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. La terre est une école, la terre est. Nous devons gagner le ciel. Vous voyez? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être maso, évidemment. Mais les gnostiques et tout ça, ils veulent le ciel ici. Les francs-maçons, ils veulent le ciel ici. Et c'est pour ça qu'ils dérivent vers le serpent. Alors le serpent, pourtant c'est désespérant, parce que dans la tradition primordiale, ça recommence toujours les cycles. Alors en fait, vous faites du surplace, quoi. Mais eux, ils vous disent, ils vous donnent d'autres explications à la Guénon, à la René Guénon. Lui aussi qui abuse beaucoup de chrétiens, alors qu'il a fini quand même comme musulman, hein, faut le savoir. Hein. On n'étudie pas. Souvent, les personnes ne sont pas curieuses. Elles lisent le livre de tel et tel auteur, et elles voient pas, elles n'essaient pas de voir quelles sont ses origines, son cheminement, comment il est mort, que ceci, que cela. Et là, on apprend. On est fainéant, on est paresseux intellectuellement, et on ne prend pas le temps de regarder les différentes sources afin de se faire un véritable avis objectif. On ne prend plus le temps, on est paresseux. Enfin, je parle en général. Donc vous avez la Tankero, je sais pas quoi, au Canada, parce qu'au Canada, comment dire, nous on est quasiment trop cérébraux, chez en Europe, les Français et tout ça. Et c'est sur le piège de l'orgueil, du côté très cérébral, qu'on se fait piéger. Chez les Canadiens, les Américains, c'est différent, ils sont davantage dans le cœur. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, mais si vous voulez, ils sont dans l'enthousiasme. Moi, dans la secte où j'étais, il y avait beaucoup de Canadiens aussi. Alors je ne dis pas ça, hein, pour déprécier nos amis canadiens, hein. Mais les pièges des peuples à l'autre, hein, vous voyez, le germain ne résonnera pas comme le latin, c'est lié, vous savez, au tempérament, sanguin, flegmatique, etc. Hein, le flegme britannique, hein, qui est très différent du côté chaud, sanguin, bouillant, souvent de l'italien, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus. Et qui est mieux que l'autre, ou moins bien, c'est simplement que nous sommes différents, et le Seigneur a voulu que nous ayons des différences, et que nous travaillions avec nos différences, en complémentarité, en fait, chacun peut gagner son ciel avec ses tempéraments différents. Et donc, les Canadiens souvent se font piéger par le côté très chaleureux, et puis, souvent, ils ne se font pas assez de réflexion sur le côté cérébral, et le côté comparaison. Bon, nous aussi, en fait, hein, mais nous, ça serait peut-être par excès de savoir et plutôt par le fait de se la péter un petit peu alors, intellectuellement. Je fais allusion là souvent aux ésotéristes. Mais même dans la religion, hein, quand il y a des gens qui se crêpent le chignon parce qu'ils veulent faire voir à l'autre qu'il en sait plus que un tel, ça dégénère toujours. Hein, si c'est juste pour briller, hein, nous en doutons, bien entendu. À l'égal de Vatican II, nous venons aussi donc à Vatican II. S'il y a des gens de Vatican II, pardonnez-moi. Hein, bon, moi, j'ai quitté Vatican II parce que, hein, vous regarderez toutes les vidéos que j'ai pu faire ou que d'autres ont fait là-dessus. Malheureusement, dans Vatican II, a pris l'exemple imprégné de gnose depuis un siècle et demi et plus même, depuis la franc-maçonnerie, etc. Bon, même depuis l'humanisme, bon, imprégné par le protestantisme et tout ça. Ils ont voulu un œcuménisme, mais qui devient relativiste, puisque toutes les religions se valent, sous prétexte de cette charité, cette fausse charité qui sait qu'on doit aimer tout le monde, donc c'est le monde bisounours, donc tout le monde se vaut et on va tous vers Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens en enfer ou pas du tout. Et ils ont fait une sorte de syncrétisme, en fin de compte, conscient ou inconscient, puisque on va en arriver si on les laisse faire, mais Dieu sera là pour le stopper en temps voulu. Alléluia. Amen. Je parle comme les protestants un petit peu là, mais bon, qu'importe, on peut dire aussi Alléluia, Amen, de toute façon, en tant que catholique. Hein. Et Dieu, alors le démon veut nous amener à ce relativisme, il nous y amène progressivement, à ce syncrétisme qui ne sera pas un syncrétisme ésotériste à la New Age, mais qui sera un syncrétisme reliant un peu tout ça dans une sorte de patchwork
où les nos amis juifs, entre guillemets, eh bien, ils prendront le dessus, puisque on serait des abrutis avec le noachisme, pas trop intelligents, donc on nous met cette loi, machin, chose, pas trop poussée, parce qu'on est un peu con quand même, et puis eux, ils seront au-dessus, quoi. Et puis, on va rassembler, ça paraît très bien, hein, le relativisme, hein, les musulmans, les catholiques, machin, on a tous le même Dieu, on est tous contents, nous avons tous des points communs, blablabla, eh bien, ce que Vatican II, malheureusement, en s'ouvrant au protestantisme, au judaïsme, prend la direction, malheureusement. Bon, ça devient n'importe quoi, surtout avec François, mais beaucoup de personnes ne veulent pas l'admettre. Donc, voilà. Et à l'égal de Vatican II, donc, un rejet des traditions catholiques, un faux Christ. Donc, pour l'ésotérisme, souvent le faux Christ, c'est un initié, c'est-à-dire qu'ils vous font croire que. Ah oui, ils vous mettent le christianisme dedans. Moi, je me suis fait un peu avoir, mais bon, pas très longtemps. Hein. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, ils vous font croire que le Christ, c'est un initié, comme les initiés du passé, dans les traditions anciennes, dans les écoles ésotériques du temple de Delphes, du temple de Memphis et tout ça, il y avait des initiations qu'on appelle effectivement pour une élite. Hein, je précise. Et le faux Christ, le Christ chez eux, c'est une élite, c'est un ascensionné, comme ils disent, un homme qui a reçu le Christ, comme le, et puis il relativise, le Bouddha, il l'a reçu, ça serait la même chose, en fait. Il donne quelques subtilités, Guénon aussi, bon bref. Le truc que vous voyez, c'est ça qui m'a fait quitter la secte, parce que, bon d'abord je voyais, moi j'étais parmi les gens corvéables, merci, donc j'étais tout en bas, entre guillemets, et quand vous êtes tout en bas, vous voyez mieux les choses que quand vous êtes tout en haut, en fait. Bon, Dieu est tout en haut, c'est différent, c'est une autre image, mais si vous voulez, à l'image de l'humilité, même si chez moi c'était une humilité forcée, moi je faisais partie des corvées, c'est-à-dire que j'étais parti dans un ashram quand même, hein, dans une communauté. Bon, elle était en France, hein, mais c'était à l'image d'un ashram hindou, hein, bon. Et je faisais partie quasiment des intouchables, c'est-à-dire que nous on faisait les corvées, on était moins évolués entre guillemets que les autres. Et puis dans cette secte, il y avait la réincarnation. Alors il y avait les réincarnations de Saint Paul, de Saint François, de machin. C'est risible quand on le voit de l'extérieur, hein, mais eux, ils le prenaient vraiment au sérieux. Et puis nous devions être sans doute la réincarnation des valets de Saint François ou de Saint, malgré que Saint François n'avait pas de valets. Allez, on va dire des valets de Cléopâtre, de machin, vous voyez, qu'importe. Et donc, étant tout en bas, ils font pas attention à nous. Ils nous voient même plus. Et donc, on entend des choses, sans le vouloir. Et on se rend compte de certaines choses. Mais il y a les conférences du groupe qui était dans la secte, là, donc, qui vous disait. Alors, voilà ce qui m'a fait tiquer, et ça va vous faire sourire, et peut-être ça va vous confirmer certaines choses, hein, ou je vous l'apprendrai. Il acceptait donc ce syncrétisme. Mais par contre, dès qu'il parlait des chrétiens et de la messe, il se mettait en colère. Alors là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Il accepte les traditions hindouistes, bouddhistes, le soufisme, hein, qui est l'ésotérisme de l'islam, le shintoïsme, le machin chose que vous voulez, la magie des chamans, un truc, il en fait tout un machin. Mais dès qu'il parle des chrétiens, comment ça se fait qu'il n'intègre pas les chrétiens dans son schéma? Alors quand il vous parlait de la messe, il sait tout de suite, et là on doit tiquer. Parce que quand les gens se mettent en colère dès qu'ils font évocation de la messe, de l'Eucharistie, eh bien, c'est que c'est le démon, quoi, parce que le démon, c'est ce qu'il déteste le plus. Bon, à l'époque, je n'avais pas fait la relation avec le démon, je savais que le démon existait, puisqu'ils en parlent aussi, évidemment, mais d'une autre façon que dans le christianisme. Hein. Bon. Il se mettait en colère, il était hors de lui. Et là, j'ai commencé à me poser de réelles questions. Bon, j'ai vu aussi d'autres choses, hein, puisque, si vous voulez, un ashram, c'est à l'image de la société. Donc, pour retrouver un peu toutes les classes sociales, et moi j'étais parmi les abrutis, entre guillemets, ou du moins parmi. Moi j'étais très content, hein, d'être parmi les abrutis, parce que je me sentais pas abruti pour autant. Et puis j'étais dans la communauté, c'est quand même. Et puis c'était une expérience extraordinaire. Vivre dans une communauté, même si c'est dans une secte, on apprend beaucoup de choses, hein, en même temps. Hein, bon. Et puis, bon. Et donc, moi ça me gênait pas trop, mais il y avait quand même, je sentais quand même cette condescendance, ce mépris pour les gens en dessous, il y avait leur hiérarchie. Et puis, ils étaient parmi les 16 qui allaient sauver l'humanité, parce que vous doutez bien que dans chaque secte, ce sont les meilleurs. Hein. Bon, on peut retrouver ça aussi ailleurs, hein, c'est entendu. Mais bon, notamment, plus particulièrement encore dans les sectes. Et donc, le gourou se mettait en colère là-dessus, et puis j'ai vu d'autres choses, et puis j'ai pris du recul, et puis grâce à Dieu, parce que je. Mais si j'avais voulu m'installer dans un pouvoir, j'aurais fait taire ma conscience,
les inspirations venues de mon ange gardien, venues du Seigneur. Et je me serais installé dans un pouvoir, et puis, si je, mais je cherchais la vérité. C'est-à-dire que le Seigneur se sert de tout. Il utilise tout. C'est pour ça que ces gens, Tankoro, tout ça, prions pour eux, s'ils cherchent la vérité, s'ils ne sont pas installés, le Seigneur les rattrapera. Mais c'est vrai que c'est subtil, parce qu'on est imprégné, il y a des liens qui sont créés avec l'invisible, qui sont avec l'invisible d'en bas. Là. Surtout si on a tâté un petit peu d'astrologie, de magie relative, parce que bon, ils ne lisaient pas tout, hein, donc on ne pouvait pas faire aisément certaines choses. Ils étudient la Kabbale, ils étudient la magie, ils étudient tous les grands initiés occultes, avec Paracelse, et l'élixir des plantes, l'alchimie, toutes ces choses-là. Oui, il y a des choses. C'est très intéressant. Et effectivement, ils arrivent à certaines expériences. Hein. C'est pas seulement, contrairement à ce qu'on peut croire, du culturel, du blabla. Bon. Et ils vous mettent sur la piste pour aller plus loin dans certaines choses magiques, etc. Et vous expliquent les correspondances, pourquoi on était beaucoup plus sévère dans l'Ancien Testament, parce que, à l'époque de l'Antiquité, parce qu'ils avaient une science plus développée là-dessus. Les correspondances entre les pierres, qui correspondent à tels animaux, qui correspondent à telles planètes. Et ces choses-là, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas fausses. Mais, et elles avaient d'ailleurs plus d'importance avant la venue du Christ. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Ça ne, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vouloir tout connaître absolument, et bien ça nous fait dériver. La curiosité. Alors évidemment, les esprits chagrins vont dire « Oui, ben dans ce cas-là, on reste dans l'obscurantisme, on ne cherche à rien savoir. » Non. Il faut chercher à savoir ce qui est concret pour nous sanctifier. Et tout le reste nous viendra par surcroît, au moment où il faut. Mais vouloir savoir pour savoir, vous dérivez facilement. C'est vrai qu'il y en a qui vont vous dire, dans les gnostiques, s'ils écoutent, « Oui, mais il n'a rien compris, le mec, l'alchimie, c'est pas transformer le plomb en or, véritablement, même s'il y en a certains ont dérivé là-dessus, ou ont voulu cela. » C'est transformer le plomb, c'est-à-dire ses propres défauts, en l'or des vertus. Donc, en fin de compte, c'est très très bien. Ouais, mais bon, beaucoup d'alchimies sont dérivées pour faire de l'or pour de bon. Et pour transformer le plomb en or. Et certains y sont arrivés d'ailleurs. Bon. Seulement, ils ont, si vous voulez, violé des lois. Bon, des lois naturelles. Hein. Le plomb est fait pour être plomb et pas pour être de l'or. D'ailleurs, souvent, au bout d'un certain temps, les particules atomiques. De cet or, au bout d'un certain temps, se défaisait et l'or ne tenait plus. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'importance, en fait. Donc, comme je vous le disais là, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la magie blanche et la magie noire sont des connaissances occultes, un piège de l'orgueil. C'est un piège de l'orgueil, beaucoup. On est tenté, évidemment, on se sentira plus... déjà on va dire je sais plus de choses que les autres et puis je vais vouloir faire du bien en travaillant avec les esprits de la nature, avec les esprits de ceci, avec les esprits de cela, avec tel et puis on se fourvoie en fait. Je rentre pas dans les détails à ce sujet, ça vaut pas la peine d'y rentrer en fait. Par contre sachons, pour essayer de revenir à cet aspect concret que nous voyons chez nos amis entre guillemets, nos futurs amis en tout cas. Dans le New Age, je sais qu'il y a ce mélange de développement personnel. Alors là, maintenant, on le voit, hein, il y avait déjà toutes ces offensives lucifériennes dans les années 70, mais c'est tendance. Actuellement, et ça fait surtout surface avec le développement personnel, même si le développement personnel utilise certaines choses, mais de façon incomplète, eh bien, ça peut vous amener vers la magie et ces choses-là. Voilà. Ils vous disent qui veut peu. Mais si Dieu ne vous veut pas dans tel et tel domaine parce que vous êtes fait pour autre chose, vous êtes en train de briser certaines lois, etc. Et moi, j'ai rencontré des gens du développement personnel qui étaient extrêmement cruels. Alors, ils réussissaient à un certain point. C'était pas de la vertu. Ou du moins, c'était une vertu qui devenait un vice, puisque toute vertu qui est poussée devient un vice, là aussi. Et le démon le pousse, hein, il pousse dans les extrêmes, vous vous en doutez. Et donc, et puis les gens, souvent, le développement personnel, c'est pas par amour pour le prochain. C'est pour arriver à certains pouvoirs, certaines capacités, une certaine richesse, à travers ces histoires de vente par palier, machin chose, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Et d'autres, hein, y a Jean, j'ai connu Jean à une époque, parce que j'ai continué à être tenté, c'est ça le problème. Bon, j'avais des problèmes d'argent, j'avais des problèmes d'emploi, donc il y a des fois où vous cherchez des choses honnêtes.
Mais en cherchant des choses honnêtes, comme vous êtes déjà imprégné d'un certain savoir ésotérique qui ne s'est pas complètement enlevé, vous êtes influencé toujours par des choses un peu comme ça. Et puis là, vous cherchez à moraliser. Là, vous dites le développement personnel par lui-même, ben, si c'est que pour être, faire ce que je dois faire, ben, honnêtement, c'est bien. Eh bien, non, c'est pernicieux. Alors, ils utilisent des choses vraies, mais pour vous mener vers quelque chose de personnel, et si vous n'y prenez pas garde, vers la damnation. Là aussi, évidemment, il faudrait développer. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Là aussi, il y a des pièges. Et j'ai mis, je dirais, 30 ans pour me débarrasser totalement de cette imprégnation. Et quand je dis totalement, en fait, disons que maintenant, je suis prudent, je connais mieux le processus. Et je le vois venir, ce qui fait que je pense que si je garde prudence et prière et que je ne me prends pas au sérieux, je serai protégé. Voilà. Mais ça pourrait revenir, sauf que, je vous dis, expérimentalement, il m'a fallu beaucoup d'années quand même pour admettre certaines choses alors que je croyais en être débarrassé. Tout comme actuellement beaucoup de gens, beaucoup de théologiens. Étant plongé pendant des années dans certaines façons de fonctionner, et ne disant pas à chaque jour, Seigneur, aide-moi, guide-moi, parce que je peux me tromper, comme Saint Philippe Néri disait, Seigneur, protège-moi, guide-moi, parce que si tu ne me protèges pas par la grâce, ce soir je serai musulman, mahométan, il disait, je crois, quelque importe. Oui, faut garder cet état d'esprit, de ne pas se prendre au sérieux, parce que le démon, en plus, après, va nous attaquer par là où nous avons péché. Péché souvent par ignorance, ça peut être de l'ignorance invincible, c'est un fait, mais ce n'est pas une raison pour se dire qu'on était un saint et que se donner des excuses. Voilà donc, quand ces personnes-là, Pierre, ces personnes au Canada, c'est très difficile pour elles d'admettre parce qu'il y a un mélange de vrai et de faux, elles sont emmêlées dedans, et. Il n'y a que la souffrance, je dirais, d'une certaine manière. Et une grande humilité si elles arrivent à la cultiver en se mettant à genoux. Mais quand vous êtes arrivé à un certain point, ils vous disent, Lucifer, elles ne savent pas que c'est vous ou loin. C'est pas clair dans leur tête. Hein. Vous voyez la prière d'Alice Bédé qui fait une invocation à Lucifer, mais pour eux, c'est vraiment de l'amour, de la lumière. Et les gens ne pensent pas que c'est le Lucifer dont on parle dans la Bible. Vous voyez, ça paraît idiot quand on en parle comme ça. Mais il y a un charme, il y a un envoûtement de Lucifer. C'est plus subtil que ça n'y paraît. Ce qui fait que quand les personnes sont à l'intérieur de cette bulle, plus si elles y restent longtemps, moi j'en suis parti au bout de 5 ans, 6 ans, même pas, très, très rapidement, quoi. J'en suis parti physiquement, attention. Au bout de, j'ai rencontré ça en 80, je ne dis pas de bêtises, fin 81. J'ai pris mon recul en 84. Oui, je suis parti 3 ans après. Total cassure complète en 85-86. Mais j'avais encore des amis. Et puis, donc, j'étais déjà dégagé à 90%, mais pas à 100%. Pour me dégager des 10% qui m'ont poussé, peut-être, parce que quand vous avez des épreuves dans la vie, il y a des fois où vous vous rappelez certaines choses et vous dites, mais ça, c'est pas de l'ésotérisme, ça, c'est bien, vous justifiez des choses. Parce que je vous dis, dans ces trucs-là, vous avez une partie de bien, une partie de faux, c'est un mélange. Alors, vous tombez dans le piège, si le démon est subtil, il vous dit, si vous voulez en sortir, oui, mais ça, c'est quand même bien, ça, tu peux le garder. Seulement, ce ça que tu peux le garder, il est toujours lié à l'autre partie, et vous pouvez retourner. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon. Donc, c'est très difficile pour ces personnes, et en plus, elles sont très influencées par. Le républicanisme ambiant, le mondialisme, le maçonnisme qui vous dit que l'Église c'est dépassé, que l'Église ce sont des obscurantistes. Donc si vous voulez, ils ont toute cette panoplie de clichés qu'ils ont reçus dans leur éducation, depuis tout petit, que nous avons tous reçus plus ou moins, bien entendu. À partir de là, ça conforte le fait qu'il faut surtout pas, pour se libérer, aller vers l'Église catholique où ce sont que des fachos pédophiles machin chose, c'est ce qu'ils vont croire évidemment, et puisque c'est à longueur de journée ou presque qu'on vous dit des méchancetés, des choses exagérées sur l'Église, etc. Donc ils vont y chercher tout seuls s'ils sentent qu'il y a un malaise, et puis on leur a tellement dit qu'ils sont des dieux, même si c'est avec un petit dé, hein, parce que
Eh bien, que ça leur est difficile de se mettre à genoux, et ce n'est qu'en se mettant à genoux qu'on est sauvé. Du genre, l'esprit brisé, comme les apôtres brisés pendant la passion, hein, et là, vous vous mettez enfin à genoux, vous lâchez prise sur vous-même. J'ai rien compris, je suis vraiment nul, mais enfin, faut pas le dire. C'est dit dans une façon lucide, spirituelle, pas dans le fait de se dévaloriser, c'est ça qu'il croit. Je suis vraiment faible, allez, je me suis fait avoir, je ne comprends plus rien, et puis, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on change. On a une épreuve terrible, une maladie, ou un truc là, dans la secte, ça va pas, etc. Et finalement, là, on est brisé, et on ne sait plus rien. Alors, normalement, on ne doit pas baisser les bras, parce que sinon c'est dangereux. Mais si on veut se relever, il faut demander de l'aide. Et si on n'ose pas le demander parce qu'on se prend pour un des petits dieux, eh bien, il faut le demander à une personne. Et puis, si on veut vraiment, si on a une sincérité dans son cœur, eh bien, le Seigneur va nous guider vers tel et tel. Et un jour, on va se retrouver en contact vraiment par la prière. Et on va laisser toutes les choses à côté que le démon a manipulé et manifesté. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si mon témoignage pourra aider à mieux comprendre, mais prions pour ces personnes-là. Tout comme je pense avoir bénéficié des prières de tel et tel dans l'invisible sans savoir qui. Mais c'est aussi beaucoup par les prières des autres que ces personnes sont libérées plus que dans la discussion. Dans la discussion, c'est quasiment pas possible. Sauf si c'est à un moment donné où la personne est en demande, elle vient de se prendre une porte dans la figure, hein, pour parler poliment. Là, elle est ouverte. Et encore, elle peut être récupérée par le démon. Très rapidement. Donc, il faut prier beaucoup pour elle, comme on prie pour les gens ailleurs, etc. Et il faut savoir que ce sont des personnes en souffrance, comme je l'étais, et que ça leur est très difficile de lâcher. Et même après, elles connaissent que c'est des gens comme ça. À un moment donné, je disais à ma belle-mère, elle s'était rendue compte, dans la secte où on était, et elle y est restée jusqu'à la fin de sa vie, quasiment. Hein. Même jusqu'à la fin de sa vie, je dirais. Elle s'est aperçue de certaines choses, quand même. Alors je lui disais, voyez, il faut en partir. Et elle me répondait, bah oui, mais je connais que des gens là, je vais toute seule. Vous voyez. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne cherche pas vraiment la vérité. Ce qu'on cherche avant tout, c'est une famille, c'est être avec des gens. C'est grave, en fait. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on doit lâcher des tas de gens. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit les juger, ou on peut peut-être les revoir. Mais pendant un certain temps, il faut prendre ses distances, même s'ils vont nous en vouloir. Et après, les revoir en disant, oui, mais là, j'ai laissé, on peut se revoir comme ça, comme des amis. Oui, vous voyez, le problème, c'est pas de juger les autres et de les enfoncer. Mais c'est quand même qu'il faut couper des liens, il faut couper des occasions de péché, comme on dit dans notre religion catholique. Voilà, excusez-moi si j'ai parlé peut-être un peu vite par moment, je sais qu'il y a des fois j'articule pas assez. Voilà, je devais faire une vidéo sur autre chose, et puis la vidéo, je l'ai perdue. Et c'est pour ça que j'avais dit à une amie, sur un site, sur un des commentaires, je ferai une vidéo sur... que je vois, je sais plus où, et sur l'apostasie et sur la façon dont fonctionnent les gens, les gens qui jugent trop facilement parce qu'ils sont ignorants. Là aussi, bon, je l'ai perdu, donc je la ferai la prochaine fois. Et donc là, je voulais juste vous faire un peu mon témoignage sur les sectes, savoir que c'est très difficile de sortir de ces mouvements-là. C'est aussi difficile que d'être un gangster ou que d'être dans des péchés graves, parce qu'il y a une sorte de... Je dirais, c'est même pas une source, c'est un fait. Il y a des liens, il y a comme une liane, comme une toile d'araignée sur l'âme, avec des tas de petits liens à couper, ce qui fait que généralement, quand on est allé dans le New Age, suivant ce qu'on a fait plus ou moins, il faut au moins des prières de délivrance. Pas forcément un exorcisme. L'exorcisme, c'est les personnes qui se sont vraiment engagées dans des pratiques obscures et sciemment, qui sont vraiment dans le péché mortel. Ou alors qui n'y sont pas. Pas parce qu'elles ne savaient pas trop, mais qui se sont quand même très engagées. Bon, là, c'est beaucoup plus grave. Mais de toute façon, on a besoin de prières de délivrance au moins. Parce qu'il y a des liens qui sont faits avec des choses, on a touché, sans le savoir, plus ou moins en tâtonnant, à des choses dangereuses qui nous ont souillés. Souillés par des liens occultes, par du magnétisme qu'on a pu pratiquer, par des sciences occultes qu'on a pratiquées plus ou moins, même si c'était juste pour aider un tel. Bon. Et donc, ce charme s'ajoute. Tout comme vous voyez qu'il y a un charme ailleurs, dans le marketing, le démon est là toujours pour nous envoûter, et c'est beaucoup plus subtil qu'on le croit, mais d'autant plus dans les sectes. Donc là, pareil, avec Belzébuth, qui est un petit peu, si vous voulez, l'organisateur de des sectes, quoi, de l'envoûtement dans les sectes, quoi.
par rapport à la hiérarchie dont on peut parler, hein, les trois démons aux ordres de Lucifer. Bon. Et les autres aussi, qui sont. Enfin bon, il y a toute cette hiérarchie démoniaque qui est le pendant de la hiérarchie angélique. Voilà, donc, et ça arrive, nous arrivons donc à un néopaganisme plein de gnoses, et puis le fameux guénonisme de René Guénon. Là aussi, méfions-nous. René Guénon, il a touché à tout, mais il n'est pas resté longtemps chrétien, contrairement à ce qu'on croit. Il a utilisé en début de carrière le christianisme, mais ensuite il a fait tout un truc avec l'hindouisme, avec le Vedanta, avec, oui, ça n'a plus rien à voir, en pensant qu'avec cette fameuse tradition primordiale, tout allait se réunir, hein, bon. Avec des cycles, hein, Kali Yuga, machin, chose, ce que vous voulez. Bon. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit était faux, loin de là. D'autant plus quand il parle de ce fameux livre sur la quantité, le règne de la quantité, etc. Il y a des choses intéressantes, et c'est vrai. Mais c'est comme quand tel et tel parle de choses intéressantes et vous met après d'autres choses hérétiques. Parmi les théologiens et autres, malheureusement, ça arrive. Et donc, Guénon a attiré beaucoup de chrétiens par rapport à certaines œuvres qu'il a faites, mais il faut savoir qu'il a fini quand même musulman. Hein. Dans le soufisme, certes, mais musulman tout de même. Donc, que les chrétiens disent que Guénon est un chrétien, parce qu'il aurait fait du christianisme ésotérique, eh bien qu'ils étudient un petit peu plus la question. Voilà ce sur quoi je voulais finir. Il faut savoir qu'il y a eu une offensive occulte sur l'ésotérisme, particulièrement de 1850 jusqu'à 1920, 30, 50, quoi, qui a préparé le New Age. Et qui a aussi imprégné l'Église d'une façon indirecte. Bon, l'Église, c'est le modernisme, mais le modernisme n'est pas, je veux dire, étranger à la gnose. Il en a. Hein, le maçonnisme est lié à tous ces trucs New Age de façon un peu différente, certes, mais c'est la même famille. C'est une offensive démoniaque à partir du siècle des Lumières, hein, plutôt le siècle des Ténèbres, comme dirait Alain Pascal. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, prions pour ces personnes-là, sachant que c'est pas facile. Que quand on est à l'extérieur, c'est évident, mais quand on est dedans, on voit plus clair. Merci de mettre vos commentaires si vous le voulez. Je pourrais peut-être répondre plus précisément aux questions de tel et tel s'il le veut. Et puis de mettre un petit pouce pour mettre en valeur ma vidéo afin qu'elle soit vue. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.